Salut tout le monde, c'est Oui, comment allez-vous? Moi ça va bien, aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Modern Warfare 3. Ouh, quel outro. Enfin, intro plutôt. Bref, aujourd'hui on se retrouve sur MW3 pour un tout nouveau gameplay. Alors, je suis désolé, c'est pas du Call of Duty Ghost, hein. J'avais promis du code Ghost, mais j'ai pas pu pour des raisons personnelles. Parce que j'ai carrément oublié d'activer mon HD PVR et qu'il n'y a pas de mode studio sur Call of Duty Ghost. Bref, je me sens un peu con là, donc j'ai arrêté. Voilà, donc je suis vraiment désolé, j'avais prévu du Call of Duty Ghost, mais j'ai pas pu parce que j'ai complètement oublié d'activer mon HDPVR parce qu'il n'y a pas de mode studio. En tout cas, voilà, ça viendra prochainement, je vous le promets. C'est vrai que j'ai pas fait de Call of Duty Ghost énormément encore, j'ai dû faire 2-3 games. Voilà, je suis vraiment désolé. Alors, concernant cette vidéo, c'est un gameplay à la CR où je ramasse une MK que je viens de ramasser d'ailleurs. Je vais jouer vite fait un peu avec, pas énormément. Bon, ce gameplay est pas magnifique. Dans le sens où... Je vais rater pas mal de balles, beaucoup de shoots de ratés. Mais eux, ils en avaient pas un très gros non plus. Mais je suis là où je pense que le gameplay le plus beau, c'est sur les déplacements, sur sa mobilité. Parce que c'est un gameplay où je vais énormément bouger. Et en fait, ça va être plutôt agréable, je pense, aux yeux. Voilà. Alors, faut pas oublier, bien sûr, que voilà, hein, c'est un retour sur MW3. Bon, je suis pas non plus professionnel de MW3. Enfin bon, bref, voilà, c'est pas non plus un truc simple de passer de Call of Duty Ghost à Black Ops 2 à Call of Duty Ghost pour revenir sur MW3, pour aller après sur Call of Duty Ghost et revenir sur Black Ops 2, pour aller après sur MW2. Enfin bon, bref, vous avez compris, c'est pas quelque chose de toujours évident. Mais voilà, c'est vraiment un gameplay de retour. C'était mon deuxième jour, donc ma première mob mon deuxième jour. C'est vraiment pas mal. Vous verrez, bon, c'est sympa comme gameplay, hein. Voilà, je vous en dis pas plus parce que bon, y a pas besoin d'en savoir plus. Voilà. Alors, la mob va être débloquée rapidement et puis ils vont racheter. Hein. Je vous gâche un peu le suspense. C'est pas une tentative mob, hein. C'est une mob, je vous le dis. J'ai pas envie de faire une tentative. Enfin bon, bref, voilà. Alors, concernant les petites nouveautés de la semaine, du jour, du week-end, de tout ce que vous voulez, j'ai commencé par Kamikaze. J'avais parlé de quitter la Kamikaze il y a 2 vidéos parce que je savais pas trop l'activité machin. Déjà, je tiens à préciser que l'activité c'était uniquement pendant les vacances de Noël parce que c'est vrai que j'ai pas bien précisé et il y a eu confusion sur certaines personnes. Mais néanmoins, c'est rentré dans l'ordre. J'ai fait ensuite rentrer mon roster Kamikaze donc c'est plus dans mes projets d'actualité. Voilà, n'hésitez pas à aller d'ailleurs faire un tour sur la Kamikaze, sur leur site du moins, qui est une structure quand même vieille de 10 ans pour tous les rosters des Certos. C'est plutôt agréable d'avoir une structure, on va dire, qui a 10 ans. Bon bref, voilà, je suis pas là pour parler de la Kamikaze ou quoi que ce soit, donc on va s'arrêter là. Je vais juste parler des projets de vidéos rapidement, qui vont arriver d'ici quelques jours. Les projets, alors pas forcément quelques jours, mais quelques semaines, quelques, voilà, bon bref. On va commencer par musique, donc j'ai un projet avec musique, hein. Donc qui tient toujours la route, vous connaissez, qui est les missions coopératives. Celui-ci va reprendre normalement, si tout se passe bien, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, car Musique ne peut pas cette semaine. Comme vous le savez, il y a une semaine sur deux où il ne peut pas venir avec moi pour faire les gameplays. Et c'est tombé sur cette semaine, donc malheureusement, ça fera 3 semaines consécutives sans gameplay. Mais ne vous inquiétez pas, hein, je ferai ça rapidement. Donc normalement... Vendredi prochain, il m'a dit qu'il était disponible. On pourra reprendre le tournage dès vendredi prochain en faisant 2 ou 3 épisodes. Je sais pas vraiment, on verra. Mais en tout cas, j'essaierai de faire ça le plus d'épisodes possible pour pouvoir proposer ça hyper rapidement. Parce que bon, c'est vrai que j'en parle, mais on fait pas trop les épisodes. Néanmoins, ça arrive, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ensuite, j'ai une toute nouvelle série avec Dreams. Je vais vous en parler rapidement. Je veux pas trop lâcher de l'aise dessus parce que j'aimerais bien que ce soit une petite surprise entre guillemets ou quoi que ce soit. Au passage, j'espère que vous avez passé d'ailleurs une bonne rentrée. J'y pense, hein, donc je le dis parce que sinon j'ai oublié. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Que bah vous vous soyez bien déroulé, que ce soit au travail, au lycée, n'importe, au collège, à l'école primaire même si vous voulez, en maternelle, bref, même à la crèche, tiens. Bon bref, voilà. Donc c'est vrai que j'espère que vous avez passé une bonne rentrée parce que c'est important, que vous êtes content de retourner à l'école. Voilà, bon, c'était le blanc du jour. Alors,
Pour finir, donc oui, je disais sur les vidéos avec avec Dreams, il y a le top 5 hein, qui s'arrête pas bien sûr, donc n'hésitez pas à envoyer vos clips à l'adresse qui est dans la description ou par Skype ou par YouTube, même si tu peux plus envoyer de messages sur YouTube parce que c'est que Google Plus maintenant, merci YouTube. Bref, donc n'hésitez vraiment pas à rester sur la chaîne de temps en temps parce que il devrait donc y avoir cette série prochainement qui devrait arriver. Alors, pour vous en dire un peu, c'est une partie qui va être en partie privée. Voilà, c'est tout ce que vous aurez le droit pour l'instant. Avec Dreams, ça va être un truc qui va être vraiment pas mal, je pense. C'est un truc qui est vu et revu sur YouTube, hein, bien sûr. De toute façon, chaque truc est vu et revu sur YouTube. Mais c'est vraiment un truc original dans le sens où c'est pour nous qu'on le fait d'une façon vraiment pour nous, avec des montages assez sympas, etc. Et que ça va être fun plus qu'autre chose. On veut pas se prendre la tête. C'est pas, voilà, c'est pas des gros trucs comme tu peux voir sur des chaînes ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment un truc fun. On veut pas se prendre la tête. Et en tout cas, on espère tous les deux que ça vous plaira. On verra ça. Déblocage de la mob au passage. Donc voilà, c'est fini le gameplay. Il reste une trentaine de secondes à peu près. Peut-être 55, je sais plus. Suspense. Non, il reste 40 secondes. Voilà, 30. Alors, pour terminer tout ça, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter parce que je le dis pas tout le temps. Mais là, je vais le dire parce que c'est important quand même. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux tels que Twitter ou Facebook parce que vous avez toutes les nouvelles vidéos, les informations, etc. Sur Twitter notamment, vous avez toutes les informations concernant Bass Sniping qui est un projet qui se développe de jour en jour et qui augmente tout temps et on continue à s'augmenter et on continue à augmenter parce qu'on a envie d'augmenter et c'est important. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et puis à vous abonner bien sûr si mon travail vous plaît. Voilà, je vous dis à tous à très vite, prenez soin de vous, à la prochaine, bye tout le monde. Je voulais vous proposer un gameplay. C'est moi, arrête pas. Attends, viens là, viens là. Je vais prendre ma guitare. Quite compare. Oh, the words on the tongues in languages unknown. I hold on every breath till there's nothing left.